look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name, bet I'm tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis chez mon papa. Je vais lui nettoyer en profondeur sa salle de bain et je vais également utiliser les produits Pink Stuff. Ils étaient en promotion il y a un bon moment chez Stokomani. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je suis partie en prendre. J'en ai pris plusieurs, comme ça j'en ai d'avance. Je me suis dit que j'allais nettoyer la salle de bain de mon papa avec ces produits-là, vu que c'était pas fort propre et je voulais vraiment voir l'efficacité des produits. Je vous fais un petit tour de la salle de bain, vous pouvez voir que c'est le bazar. C'est pas fort propre, c'est vraiment pas clean du tout. Mon papa n'est pas souvent là, du coup il ne passe pas son temps à nettoyer. Il a laissé sa salle de bain comme ça, du coup je me suis dit que j'allais lui faire. Comme ça quand il rentre, tout sera nickel et il sera content. La première étape, c'est vraiment de tout vider, vider toutes les armoires et vider tout ce qu'il y a sur les surfaces. Je mets tout dans un sac poubelle et ensuite il triera lui-même ce qu'il garde et ce qu'il ne garde pas. Je ne le fais pas à sa place parce que quand j'ai fait sa cuisine la première fois, je vous mets la vidéo ici dans le petit i, bah en fait j'ai jeté des choses qui lui servaient quand même. Du coup bah voilà, je me suis dit cette fois-ci je ne me fais pas avoir, je mets tout dans un sac poubelle et il va trier lui-même quand il rentrera. La deuxième étape, c'est de tout aspirer le sol pour éviter de marcher sur la poussière et en mettre partout. Et ensuite, je vais faire les surfaces et l'intérieur des tiroirs et des armoires. Be that someone looking hard to hand. I don't even know if you can understand.
by my side. Let me feel your love again. La troisième étape, c'est le nettoyage. Là, il était grand temps de le faire parce que c'était une catastrophe. Du coup, je vais commencer par les vitres et les miroirs. Je vais mettre du produit partout. Celui-ci vient de chez Action. Il l'avait déjà chez lui, du coup je l'ai utilisé. Je vais nettoyer les vitres en profondeur et je prends une peau de chamois qu'il a pris chez Action. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment pas mal. Contour de la fenêtre, je vais utiliser le produit Pink Stuff. Je vais utiliser la pâte nettoyante. Je vais mouiller un petit peu mon éponge et ensuite mettre de la pâte et venir frotter. Ça va vraiment tout enlever les taches incrustées. Il y avait même des petites taches de colle. C'était vraiment des taches de saleté. Franchement, c'était super sale. Du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce produit. Et franchement, c'est un miracle parce que tout est parti. Je suis vraiment très contente. Tener uno, tener más amores. Tenemos hielo, estamos allá. Un doctorado, lo ponía ayer. Yo soy mi grande, que la que hay. Lo más que quiero es los saludos, mi madre. No le doy su ticket y no se repite. Dice que me la dan, al menos no quite. Oh yeah, con los autos dice. Oh yeah, desde que tengo a mi familia. Pour terminer, je viens frotter avec une microfibre à l'eau claire, comme ça c'est bien propre. Tengo a mi familia, paso bien. Que Dios me dio de amarte vida, paso bien. Mis manos rompiendo la liga, paso bien.
prendió y amaste vida. La paso bien, mis panas rompiendo la liga. La paso bien, la meta la tenemos fija, la tenemos fija. I cheer you up, but never on your good days. I wasn't worth that much. You told me I was special, but not enough to make you stay. I guess you couldn't settle with somebody like me. My self-esteem has reached a new all-time low. At least you accomplished something, yeah. Avec le produit multi-surface également de chez Pink Stuff, je vais nettoyer l'intérieur de la fenêtre où il y a le petit rebord parce que ça c'est toujours sale, même chez moi ça prend énormément la saleté. Je passe ensuite aux deux lavabos et le carrelage qui est au-dessus. Je vais le nettoyer avec la pâte Pink Stuff et je vais venir mettre de la crème Marie Curie également de chez Pink Stuff dans les lavabos. Et ensuite je vais frotter tout ça et vous pouvez voir que l'eau n'est pas du tout claire, c'était vraiment très très sale. J'ai également emmené avec moi ma petite brosse électrique rotative qui vient de chez Action pour frotter toutes les taches incrustées et franchement je suis vraiment très contente. Je peux vous dire qu'avec ce produit, le carrelage était noir et il est redevenu blanc et ça c'est vraiment top. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. Je rince tout à l'eau claire et je passe avec une microfibre verte pour enlever l'excès d'eau. J'ai également utilisé le code couleur chez mon papa. Si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai fait chez lui quand j'ai organisé toute sa cuisine, je vous la mets dans le petit i juste au-dessus et dans la barre de description, je vous mets le lien. Je lui ai fait un petit coin avec des microfibres, des produits ménagers, vraiment son petit coin ménager. Mais bon, là, on va dire qu'il n'a pas du tout utilisé ce coin. Mais voilà, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, le verre pour la salle de bain comme chez moi. Je vais mettre du produit multi-surface dans chaque tiroir et laisser agir quelques minutes. Et ensuite, je viens frotter avec ma brosse. Et j'ai pris le gros embout. En fait, cette brosse, il y a deux embouts. Un plus fin pour les petits contours et le plus gros pour faire les plus grosses saletés, les plus grosses surfaces. Et ça fait vraiment bien l'affaire. Dans les armoires, il y avait beaucoup de taches de produits qui ont coulé. Et je me suis dit que j'allais pas savoir ravoir les taches de l'armoire vu que c'était quand même là depuis un bon moment et c'était bien incrusté. I'll just
No recordaba lo bueno que era estar a solas, sin que me juzguen, con mis amigas cantando rolas. Que me aprecien, pero no tanto, quiero estar sola. Estar soltera, no disponible y siendo moda. Yo te quiero, pero déjame, no me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate, que esta chica no la vuelve a ver. Yo te quiero, pero déjame, no me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate, que esta chica no la vuelve a ver. Solo quiero ser yo, yo, yo. Esa falda era muy fea, porque sus celos nunca dejaron que fuera bella. Me controlaba todas las noches, noches en vela, con sus peleas, con mi persona y la botella. Yo te quiero, pero déjame, no me amas, eso se te ve. J'ai également ajouté de la crème à récurer dans les tiroirs pour que ça part encore plus, et c'est un gros miracle avec ces produits. Tout est parti, je suis vraiment très contente. À mon papa de prendre des petits tapis qui cachent le meuble pour que ça fasse plus beau mais aussi plus propre, parce que les meubles sont quand même assez vieux et ils sont quand même abîmés. Après ça, je donne un bon coup de nettoyage sur le rebord où il y a les miroirs, mais aussi les meubles du lavabo, et je n'oublie pas de faire les poignées, mais aussi les côtés de l'armoire. Baignoire, je vais pas passer par quatre chemins, je mets directement la crème à récurer et je vais faire à la brosse rotative. Pour la baignoire, c'était pas pratique, mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est une baignoire jacuzzi et c'est vraiment une horreur à nettoyer, car toute la saleté se met dans les petits ronds argentés que vous pouvez voir sur les images. C'est vraiment une galère. Stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. Ça, il faut vraiment nettoyer au fur et à mesure, sinon, ben voilà, on passe énormément de temps à nettoyer quelque chose. Avec la pâte nettoyante, je vais également faire le carrelage sur les murs. Better I'm everything.
ensuite je vais passer mon nettoyeur vapeur qui vient de chez Lidl. Ça fait un peu plus d'un an et demi que je l'ai et il est vraiment incroyable. Avec la vapeur, ça va enlever toute la crasse incrustée. Je sais qu'il est souvent en magasin, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, faire attention aux petites promotions sur les catalogues ou même sur les smartphones. N'hésitez pas parce que franchement, il est vraiment incroyable. Moi, je l'ai eu à 15€, mais je sais que là, je l'ai vu à 19€. Donc franchement, n'hésitez pas et c'est dans tous les Lidl, que ça soit France ou Belgique. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Je rince la baignoire à l'eau bien bouillante pour enlever le surplus et ensuite je fais le nettoyeur vapeur sur le carrelage du côté de la baignoire. Je passe maintenant à la douche, là c'était pas possible, le calcaire, la saleté, les taches de gel douche qui ont coulé, franchement là c'était une horreur, c'était, j'ai même pas les mots, franchement je n'ai pas du tout les mots, du coup je vais passer le plus de temps dans la douche à tout nettoyer. Je vais également mettre de la crème à récurer vraiment partout dans la douche. Les produits Pink Stuff sont vraiment réputés pour leur efficacité, leur bonne odeur, mais aussi pour leurs produits non toxiques. Vous pouvez les trouver sur Amazon si ça vous intéresse. Chez Stokomani, ils font la promotion une à deux fois par an. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu la promotion, j'en ai pris vraiment plusieurs pour en avoir d'avance à la maison. Pour la douche, je vais venir frotter partout dans les moindres recoins avec une éponge pour enlever la saleté et même sur les vitres pour vraiment nettoyer en profondeur. Je sais pas vous, mais moi j'aime ce genre de nettoyage où l'on voit vraiment le avant-après.
Dites-moi en commentaire si vous aimez. Moi, je trouve ça tellement satisfaisant. Je rince à l'eau bien chaude, bien bouillante, et ensuite j'enlève le surplus d'eau sur les vitres et je nettoie avec le produit spécial vitre. Et j'utilise également une petite raclette qui est bien pratique lorsque l'on a une douche avec des vitres. Si je peux vous donner un petit conseil, faites-le vraiment après chaque douche avec du produit anti-calcaire ou du produit à vitre. Et pour les produits vraiment pas chers, n'hésitez pas à aller chez Action, ils sont pas chers et ils sont très efficaces. En plus de ça, le faire après chaque douche, après chaque utilisation, ça permet d'avoir sa douche propre, mais aussi de ne pas passer 20 minutes à la nettoyer et à galérer à enlever les traces de calcaire, les taches de saleté. Franchement, n'hésitez pas à le faire vraiment au fur et à mesure, ça prend peut-être 30 secondes à 1 minute, mais franchement, vous le regagnez sur le long terme. En plus de ça, nettoyer au fur et à mesure, ça permet de bien entretenir son mobilier, ses appareils ménagers, ça permet aussi une durée de vie plus longtemps. Surtout que maintenant la vie est très très chère, du coup voilà, n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. Nettoyer le radiateur parce que là c'était aussi une horreur. On n'y pense pas souvent à les faire, mais ça prend toute la poussière.
je me prends pas la tête, j'aspire et ensuite je passe un petit coup de nettoyage et c'est propre. N'hésitez pas à faire vos radiateurs une fois par mois ou peut-être tous les deux mois pour un bon entretien. De bain, je donne un coup de raclette et vu que c'est un carrelage noir et qu'il fait énormément de traces, je mets dans un seau de l'eau chaude et un petit bouchon de vinaigre blanc et ça ne fait aucune trace et ça nettoie correctement. Vous pouvez voir maintenant le avant-après, c'est juste incroyable. La salle de bain, elle brille, elle est plus que propre. Ça m'a pris 3 heures pour tout faire, mais voilà, le résultat est quand même là. Je suis vraiment contente, et mon papa aussi. Maintenant, il entretient mieux sa salle de bain et je suis vraiment très contente. Je vais faire l'organisation de la salle de bain plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de me laisser un petit like et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite grandement à le faire. C'est facile, c'est gratuit et en plus ça permet de me soutenir sur YouTube. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche et nous on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. It's been ringing all day long. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss with